ça. Pas encore, non. Ouh. Ah ouais. Ouh. Ouais, fiche. Fiche. Fiche tic. Ah, il a pas l'air moche. Il a pas l'air moche. Il a pas l'air moche. Ouais, sous le pont. Et trois fois, je dois passer sous le pont pour le taper. Hein. Putain, il est pas moche en fait. Hein. Ben, il est quand même lourd. Hein. Beuvru, on essaye ta nouvelle épuisette. Putain, il me l'a enfourné. Merci Brubru. Merci. Mon premier broc, putain, il est mastagro. Hein. Il est mastagro. Je vais le déposer ici, c'est bien propre. Ouais. Comme quoi, je vois ce pont et je me dis, c'est tout bon et il peut pas y avoir pas de broc en tout ce pont. Et ouais, il a pris. Ça, ça s'appelle coffrer un forplay, quoi. Hein. Il est bien dedans. Putain, même ma pince, j'ai ma main dans sa gueule, quoi, alors que j'ai une pince hyper longue. Il a une bonne gueule. Ouais, il a une bonne gueule. Ah ouais, je veux bien une petite mesure, parce que ça commence bien la journée aussi. Déposant les buisettes, bien propre. Allez, 77 pour commencer la journée, Brubru. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal du tout, hein, il fait encore très froid, c'est le matin. C'est un coloris orangé qui a bien fonctionné. Allez, on va remettre ça à l'eau. Beau pike, hein. Bye bye. Oh yeah. Premier broc. Mucus, mucus. Il était bien fat, ouais, il est vraiment fat, quoi. Donc j'ai mis pour ce matin un forplay, un coloris flashy. Donc il est tout orange. Alors. Ouais, est-ce que c'est le coloris qui a fonctionné, je sais pas. Ou bien est-ce que c'est le pêcheur qui est meilleur? Je crois plutôt que c'est ça. Moi je dirais le coloris. Tu penses que c'est le coloris? Bon, bah, d'accord, alors c'est le coloris. Ah. Ouais. Et Brubru, 5 minutes après moi, ici broc de 60 environ. Ouais, une journée qui commence bien ça. Hein. Et le forplay mis à l'honneur avec le forplay souple, 13 cm. Et moi c'est le forplay dur, 13 cm. Petite remise à l'eau Brubru. Bye bye. Il est là. Tranquille, il repart. Hop là. Ah super, matinée de fou. Deux brocs. Après on va peut-être prendre que ça sur toute le reste de la journée, on ne sait pas encore. Hein. Bah là, ouais, ça fait une heure et c'est surtout dans les 5 dernières minutes qu'on vient de taper. Là. Allez cool, on continue la pêche. Il fait beau, il y a du vent, le temps est magnifique pour la pêche du brochet. Oh yeah. Putain, il est... Oh non, décroché. Ah, j'ai pas de triple voleur, hein. Il est venu me chercher en... Je suis remonté, tu vois, il a happé de derrière et... Ah, il faut que je fasse un montage avec un hameçon triple derrière. Je sens que je vais perdre tous mes poissons.
Oh oui, c'est un petit trois coups. Hein. Fiche. Un petit pike, et t'as vu me taper une fois déjà. Bon allez, je vais décrocher ça. Triple voleur. Hein. Sans triple voleur, c'est quand même toujours des décroches. Alors voilà, je l'ai pris avec le Genki. Ce coloris est quand même incroyable. C'est un petit pike. Hein. Voilà, beau petit broc en plein soleil. Il a fallu un peu de soleil. Et un triple voleur, et surtout un triple voleur pour pouvoir le sortir. Sans mon triple voleur, ça aurait été fini. Allez, retourne à l'eau, petit broc. Et voilà. Eh ben, c'est mon deuxième brochet sorti de la journée. Plus le décroché que j'ai fait juste avant. Ça va, la journée se passe plutôt bien. Ouh. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Voilà, ça c'est un beau passage sous le pont. Non. Il n'y a rien. Oh, si, un piquet. Fuck you. Merde. Putain, je perds l'équilibre, je laisse un mou et je tape dans le fond. Fuck, hein. Ah, ah fuck, hein. T'as vu ça? Ouais, je suis dans le mur, ouais! Putain, j'ai fait 3 lancers, je répète à chaque fois, quoi, what the fuck? Voilà, c'est réglé! Putain, j'ai jamais fait autant de fois ma ligne de... J'ai été pêché 3 fois en polders, j'ai pas fait une seule fois ma ligne, ici je viens de la faire 5 fois, quoi. Bon, ben... Pendant que Franz est parti faire un petit caca, on a la pompe à essence, et même au bord de la pompe à essence, il y a de l'eau. Alors moi, je vais aller pêcher en l'attendant. Alors j'ai jamais été pêcher ici, je sais même pas s'il y a du fond. Pas beaucoup de fond, mais why not, quoi. C'est un chouette petit polders ici. Et c'est un chouette polders. Oh putain, décroché. Mais ouais, je viens de le décrocher. Mais non. Oh, ce petit spot de la pompe à essence. Ça aurait été tellement bien de le sortir, ce brochet. Brubru et son brochet qui vient de prendre. Nice. À la cuillère magique. Joli. Hop là. Bye bye, prochain. Putain, j'ai pas filmé, c'était magnifique. Magnifique. Il a suivi, j'ai fait un stop and go, bam, il me l'a pris. Ouais, tout blessé. Ouais, tout blessé. Il n'y a pas de fond ici. Hein. Premier lancer, non? Ouais, premier lancer. Ouais. Putain, il est presque pas piqué. C'est dommage que je l'ai pas en vidéo parce qu'il m'a fait un suivi, j'ai fait un stop et il me l'a pris au stop, quoi. Juste ici devant. Il a décroché, tu vois. Ouais, c'était de peu, quoi. Il était presque décroché, quoi. Son dos a vraiment dégommé. Ouais, il s'est fait attaquer par un oiseau, à mon avis. Merci Brubru d'être venu à mon secours. Yeah. Un pike. Il me l'a suivi. J'ai fait un stop et il me l'a pris. Bam. C'était trop beau, quoi. Et je le voyais super bien avec mes lunettes polarisantes. Allez, on remet ça à l'eau. Il s'est fait attaquer ici au-dessus. Je sais pas ce qu'il a. Allez, on remet ça à l'eau. Tout doucement, il est là. Il est toujours posté sur la bordure. Bien joué. Tu veux le filmer dans l'eau? Il est là. Merci Brubru. Il n'y a presque pas de fond en plus.
je viens de mettre le forplay quoi. J'ai fait deux lancers avec. J'ai bientôt liquidé la poulière. Merci d'être venu m'aider Brubru. Parce que là j'aurais eu du mal à le sortir. Ouais regarde, j'ai mis ce forplay là. Donc voilà. C'est le forplay 19 cm. Ouais, j'ai vraiment vu, il a suivi. Donc j'ai fait 2-3 petites animations, il a suivi. Et j'ai vu qu'il était derrière. Je dis. Mais non, il n'y a pas d'eau. Et j'ai fait, putain, je laisse stop. J'attends, j'attends. Et puis je le vois. Et j'ai dit, je fais quoi? Je fais une tirée ou quoi? Et j'ai pas eu le temps. Et wap, il est venu le happer quoi. Ben, j'ai lancé, il était juste à côté en fait. J'ai juste fait ça, regarde. J'ai fait hop, hop. Comme ça, puis j'ai vu qu'il suivait. J'ai laissé et boum, il est venu l'attaquer quoi. Ah c'était cool. Une attaque comme ça et j'avais la caméra coupée, je suis trop con quoi. Oh, il y a un petit peu de vent, il y a mon leurre qui s'envole tout seul. De peut-être 45 cm. Merci. Un petit brochet de 60. On va le remettre à l'eau. C'est pas capot. Ah, ça y est. Joli coup. Encore un petit.